conseiller le joueur ou les entraîneurs doivent expliquer les exercices pendant un entraînement deux fois. Alors. Deux fois. Qui ça? Ils me regardent. Moi, je te regarde pour dire c'est qui. Deux fois, non. Moi, la première fois, je comprends. Qui reçoit le plus petit bon aux entraînements? C'est Babi. Hein? Petit moi, je reçois des petits points d'entraînement. Oui, il reçoit des points à l'entraînement. Moi, je donne plus, hein, souvent. Je donne des petits points pour lui. Aujourd'hui, je t'en ai mis aujourd'hui. Hein? Non, c'est je, moi. Je veux que tu m'en aies bien, mais je t'en ai mis aussi. Où ça? Ben, là, sur la passe, là. Rappelle-toi, sur la passe à Robin. Ouais, aujourd'hui, 1-1. Voilà, je vais rendre la passe. Souvent, sur les taureaux, c'est lui qui prend. Et c'est vrai, j'ai des grandes jambes, ça pousse de mes jambes. Alors, qui saute dans le pont si Antwerp devient champion? Ah, dans l'eau, là. Faire ça, Dino. Dino pourrait faire ça facilement. Dino, Dino n'aurait pas besoin d'être champion. Hein. Pas besoin d'être champion avec Dino. Si tu lui donnes un petit pari, là, il pourrait le faire aujourd'hui. Là. Quel joueur mourrait sans iPhone? Ouais, je vais honnêtement dire, je ne sais pas parmi les autres, mais moi, j'avoue, sans mon téléphone, c'est vraiment compliqué pour moi. Sortez deux téléphones. Arrête pas pour les deux téléphones, arrête. Tu as deux téléphones? Ouais, j'ai deux téléphones. Ah, mais deux téléphones, ça veut pas dire. Ok, l'autre, c'est pour ma famille. Mais. Sans mon téléphone. Qui est le beau gosse du vestiaire de l'équipe? Donc, j'avais entendu que Dylan, il avait dit qu'il était le beau gosse. Alors, moi je tiens à dire que Dylan, quand il a dit ça, il se trompe. Voilà, il se trompe beaucoup parce que le beau gosse du vestiaire, c'est moi. Voilà. Donc, je t'avais dire ça à Dylan. Dylan, non, tu t'es trompé. Il est là, le beau gosse du vestiaire. Ah, mais tout à l'heure, là, avant qu'on monte d'ici, là, on a fait une élection. En plus, c'est moi qui ai gagné dans les vestiaires. Quelle qui est le plus beau? Parmi lui et moi. Non. Donc s'il dit ça devant. Non, mais non, parce que. Je mais sérieux, dire... on savait déjà. On a demandé les joueurs. On est venus ensemble. On demande devant les joueurs qui est le plus beau entre toi et moi. Il dit c'est Sek. C'est vrai, c'est vrai. Mais je tiens à dire pour ma défense que Sek, avec son gabarit, faisait peur à certains joueurs. Donc ils ont préféré dire Sek que Babi. Qui chante le plus sous la douche? Alors là, on a un professionnel à ma droite. Mais bon, ils sont plusieurs. Alors, je vais les énoncer. Il y a Didier. Didier, lui, ramène la baffe sous la douche. Ça danse. Tu vois, ben, moi, j'y participe aussi. Il y a aussi Martin. Martin aussi. Ça... Gino, Kevin. Sous la douche, ouais, ça chante, ça danse. Ça... Ouais, c'est... Et qui d'autre encore Adjilan. Adjilan, déjà, c'est le danseur. J'avoue, c'est pas le plus beau. Mais c'est le meilleur danseur du vestiaire. Qui est le joueur où les entraîneurs doivent expliquer les exercices pendant un entraînement deux fois? Alors, deux fois. Qui ça? Ils me regardent. Moi, je te regarde pour dire c'est qui. Deux fois, non. Moi, la première fois, je comprends. On m'explique une fois l'exercice, moi c'est direct. Hey. Pas besoin de... Non, c'est simple, c'est lui. Hein. Il comprend jamais. Et là, on dit c'est qui? Hey, pourtant, je suis fort en maths, mais j'avoue, des fois, sur le terrain. Mais bon, j'ai du mal avec le coach. Des fois, il parle mal, il parle très bien français. Tu vois, ah, des fois, il y a des complications. C'est ça mon excuse. Alors, merci, c'était Ouzmoz Lakli. Merci et la prochaine avec Sek. Abdoulaye.